passer avec sa Switch. On a 4 heures de train. Coucou, oui, c'est à toi que je parle, monsieur Dédé. On a fait la partie un petit peu révision, lecture, et du coup maintenant je lui laisse un petit peu accès à sa Switch quand on fait des longs trajets, je lui fais ce plaisir là. Donc voilà, direction le nord, Arras, pour notre petit séjour avec ma soeur. Donc je vous embarque dans 2 ou 3 vlogs, je vais voir, suivant comment les jours se passent. Bah, avec nous dans cette journée où on va découvrir bah, là où vit ma petite soeur, donc ça me fait très plaisir d'aller voir un peu le nord. Bon, nous voilà bien dans Paris. On devait faire Paris-Gare de Lyon, Paris-Gare du Nord. Et le problème, c'est que le premier train est annoncé 25 minutes, plutôt 35 minutes de retard. Donc en fait, on n'a pas réussi à choper. Mais vraiment, c'était la mauvaise foi d'une chose qu'on est arrivé. On peut embarquer jusqu'à 2 minutes avant. On est arrivé 3 minutes avant et monsieur avait déjà décidé de tirer le grand filet rouge là, pour stopper les gens pour rentrer, et je lui dis on va monter pour le train. Il dit oui, bah là c'est trop tard. Je lui dis non, c'est 3 minutes avant, on est encore bon. Non, j'ai tiré le fil, madame, c'est trop tard, là plus personne peut monter. Donc du coup je suis allée me présenter pour qu'on ait des nouveaux tickets, sauf qu'on devait arriver à 13h10 à Arras et là on part à 16h52 avec 7h40. Donc toute l'après-midi qu'on devait passer avec ma soeur à découvrir la ville d'Arras saute. Donc je suis dépitée, plus tout ça. Bon, le Deden, il n'est pas malheureux. Là, on allait se mettre à McDo parce que du coup, on pensait manger en arrivant à Arras auprès de ma soeur. Parce que 13h10, j'avais pris un bon paquet de gâteaux, donc on le tenait. Enfin, Eden, il est capable d'attendre. Et c'est enfant. Il m'a pris 2 trucs enfant. Je suis en train de voir qu'il y a marqué enfant, enfant sur les 2. Titre, suite, rupture, correspondance. Je ne sais point. Adulte. Adulte, ok, j'ai eu peur. En gros, c'est écrit enfant sur le ticket. Donc voilà, du coup, bah, on arrivera qu'en fin de journée. Bon, c'est pas grave, Eden, mais bon. Voilà. On s'est mis au McDo pour manger, du coup, pas le choix. Heureusement, en face des Gare du Nord, il y a plein de trucs, donc j'ai essayé de choisir. Il avait envie d'un McDo. Hein, Eden, tu voulais manger McDo? Oui. Donc je lui fais plaisir. Et puis, bah, on va attendre. Je sais pas quelle heure il est, parce que l'heure est sur mon téléphone. Donc ça doit être 12h30. 13h30, 14h30, 14h30, 16h30. On va attendre un bon 4 heures là. C'est l'école à 16h50, donc il faut y être avant. Ça va être long parce que du coup je vais m'engager à rien sur Paris en 3 heures pour être sûre d'être là comme il faut quoi. Voilà. Je peux grimper. On est la place 13. Hop, ça va être de ce côté. Tu appuies sur la petite poignée. Vers toi tu l'emmènes. Vas-y, tire là. Oui, c'est ça. Et on va chercher les places 13 et 14. Non, ça c'est pas les places classiques. Encore pareil avec la poignée. Vas-y. Super. Et on va chercher du coup, je disais la 13 et la 14. Alors Eden, c'est moi qui vais chercher. Non, c'est beaucoup plus loin. Allez, avance. On est bien rentré dans la voiture 6 là. Oui, dans la voiture 6. Ah bah on va être tout au bout, mon cœur. 5, 6, on a la voiture 6. Non, mon cœur. Tu ne vois pas les places, elles sont écrites tout en haut. Laisse la dame, Eden, elle pose ses affaires, regarde. Hop. J'ai retrouvé ma petite sœur et je lui dis que pour le moment, dans le nord il pleut pas, mais certaines m'écrivent, me disaient t'as pas de chance il pleut, je fais non, c'est parce que j'arrive dans le nord. T'as presque pas le truc, non? Non, je suis en train de... Allez. Allez, détache-toi. Ça s'appelle être petite, Marie. T'as pas réussi ou tu l'as fait tomber? Je ne sais pas. Ah mais si tu le ressors, c'est que tu peux y aller, Marie. Marie. Tout va bien, ce rêve. Tout va bien. Oui, on va se calmer, madame. Il y en a, ils sont en forme. On est sorti dans Arras. Je vais vous montrer un coin joli, puis j'atterris devant le milieu. Okay. Voilà, Alexis est rentré et on va manger où? Sur la place. Sur la place, oui, au restaurant, mon chéri. Sur la place. Sur la grande place, là où il y a le beffroi d'Arras. On va découvrir des spécialités du coin. C'est ça. En version sans fromage pour moi, s'il vous plaît. Ah bah voilà. C'est là où il y a le grand marché d'Arras. C'est très joli en tout cas. Il y a l'air d'avoir une belle cathédrale là-bas derrière, non? Alors, étant donné que ça vibrait beaucoup, j'ai rien compris du tout. C'est une église gothique, mais c'est pas le même. D'accord.
Et voilà, on est au restaurant. Alors toi, tu peux nous expliquer ce que tu as pris, Alexis? C'était un Welsh. Un Welsh, c'est donc du fromage. C'est ça. Alors, vous m'avez dit qu'en termes de goût, ça ressemble au cheddar. Enfin, Marie m'a dit ça. Ouais, un peu de chose quand même. Avec un œuf et dedans on trempe les frites. Voilà, alors moi j'ai pas goûté. Moi j'ai pris escalope de dinde, je crois. Poulet. Bon, Eden. Il a mangé déjà l'œuf. Mmh. Et ben, bon appétit les amis. Et bonsoir, je vous reprends depuis l'appartement de ma soeur. Je me suis mis en pyjama, c'est une tennis quoi. Donc j'ai un legging, une brassière qui d'ailleurs est assez imposante, qui dépasse du t-shirt, mais bon bref, l'idée c'était d'avoir une petite tenue confortable pour dormir. On a dépié le canapé en mode lit et voilà, on va dormir là avec le Deden. On va se coucher rapidement puisque demain réveil à 6h, on part pour une bonne heure et demie de route direction la surprise. Eden a dit que c'est un endroit où il y avait des manèges, il pense, mais après c'est pas où. Surprise dans le prochain vlog. Ciao ciao.